J'ai désigné Marcus. I got no money. Well, now I have some money, but like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. I like to party. Living my way is arty. All I offer is my reputation. Hey, let's walk this way. This party will run. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon vlog d'août. Vous savez qui est de retour? Il est là, face à moi. Le ciel bleu! Ok, du coup ça change absolument instinctivement tout mon état d'esprit, tout mon mood. Je croyais être une personne qui n'était pas influençable, mais en fait je suis complètement influençable par la météo. Mon degré de bonheur se base sur le choix de ma tenue du jour, si je me trouve bien habillée ou pas, et s'il fait beau dehors ou pas. Donc je vous propose qu'on s'habille bien et qu'on aille gambader sous le ciel bleu. Mais d'abord je vais pas faire comme si de rien n'était, je vais pas faire comme si quelqu'un avait sonné pendant que j'étais encore en pyjama. Bonjour! Vous allez bien? Moi je vais bien. Est-ce que j'ai bien dormi? J'ai dormi. Tu sais, il faudrait qu'on aille au pop-up. Parce qu'on n'a pas vu le pop-up ensoleillé. C'est vrai. Mais d'abord, faudrait qu'on jette mes fleurs, je pense. Mais les pauvres dames, enfin... Tu vois, elles crient famine. Elles ont soif. Non, mais je leur ai changé l'eau, mais après, c'est quoi? Tu sais, c'est des fleurs qui ont été transformées. Comment ça? Bah, elles étaient pas vertes à la base, c'est des fleurs qui sont teintées. C'est criminel, mais je suis choqué. Teinter un être vivant, mais on est où? C'est un être vivant? Oui. Oui. Après, ça fait 10 jours qu'elles sont là, c'est les pauvres dames. 18 jours. Les pauvres dames. On est sur la soule. Aujourd'hui, guys, faut qu'on range mon appart. Hein. Et ça va plus du tout, c'est ni fait ni à faire. Faut ranger, nettoyer, astiquer, balayer. Faut que je me motive. Musique à fond, bonne playlist. Et on va ranger ce bordel. Hein. D'abord, j'ai dressé mes cheveux. Parce que bon, chacun ses priorités. Depuis ce matin, j'ai une chanson dans la tête. King of the Bongo. Mais tu la chantes depuis plusieurs jours? Ouais, je l'ai dans la tête dans je sais pas pourquoi. Non mais tu la chantes depuis genre plusieurs jours. J'aime trop. Mais c'est ça mon problème, c'est que moi quand j'ai une chanson, c'est genre une obsession. Faut que je l'écoute matin, midi et soir jusqu'au jour où elle me saoule et que je veux plus jamais la réécouter. J'ai épuisé ma playlist. Tu sais c'est quoi ma fantasy? C'est les mecs sur TikTok qui disent « Salut, t'écoutes quoi en ce moment ?» aux gens qui ont leurs écouteurs. Oh, mais il faut trop de courage pour aller demander aux gens ce qu'ils écoutent dans la rue. J'ai peur. T'es courageuse. Genre on l'a attrapé, on dit vous écoutez quoi aujourd'hui et après on met ça dans ma playlist et après on fait le ménage sur cette playlist. J'aime trop l'idée, j'aime trop la conception. Ouais. Mais dans l'action, on va stresser. On n'est pas à New York là. En fait c'est ça, on n'est pas à New York. Il y a des trucs c'est facile à faire aux États-Unis, ils sont en mode oh yeah I'm listening to this song, it's amazing bro, listen to it. À Paris je veux dire bonjour vous écoutez quoi, enfin me parlez pas. Je me brosse les dents quand même, sinon là ils vont vraiment pas nous répondre. Bon, c'est pas New York City, mais c'est Place de la République et c'est ce qui s'en rapproche le plus. Mais c'est notre New York à nous. Je suis pas sûre. Marc, je suis morte de gêne. C'est vrai? Pas moi. Allez, viens. Bonjour. On cherche des nouveaux sons pour notre playlist. C'est quoi? Le son avec SDM. Merci beaucoup, je bonne journée. Je comprends que ça la gêne. Même moi, ça m'aurait gêné. Attends, mais moi, je me prépare, mais tu rigoles? Mais quoi? La dernière fois quand on était à New York pour le Met Gala, j'avais mes écouteurs le matin pour faire ma balade. Je me préparais et je mettais un son au cas où, en mode... Ah t'attendais genre? Ouais, un son un peu vibe, comme ça les gens disent waouh, elle a tellement des bons goûts musicaux. Mais il y a qu'à New York que tu peux te préparer à ça. C'est pas dans les habitudes des Français. J'écoute Iliona, Une Autre Vie. Incroyable. C'est vrai? Bête de projet incroyable. Eh ben on l'a rajouté à la playlist alors. Allez, bonne journée. Merci. Merci. Incroyable, parce que c'est très... Merci beaucoup, c'est gentil. J'adore. En fait, j'ai fait ça toute la journée. Non, mais c'est bon. En plus, on parlait de musique, c'est trop non, bien, les gens ils sont contents. Vous écoutez quoi? On cherche des nouveaux sons pour notre playlist. J'étais en train d'écouter Louane. À l'ancienne. On adore, on embrasse Louane. Je passe un bon moment. Bonjour. Vous écoutez quoi? Armageddon, Louresval. Génial. Bonne journée. Merci. Bonne journée. My favorite music is Bully Music. Ok. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you, have a good day. C'est quoi ton son du moment? C'est Jay Kids, La 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 et... Enfin non, S-Class plutôt. Allez, ça va. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, mon son du moment, c'est Maître Gims. C'est quoi ton son du moment? Je suis sur la dernière de Gims, là. Ok. Sinon, de base,
Je suis un Beyoncé fan. Tu vois, c'est ça que j'ai dit. Merci. Mais tu vois. C'est quoi ton son du moment? Cowboy Carter en entier, quoi. Allez, ça va. Et... voilà. Je vais au sport, je file. Bon sport. Bisous. Salut. Nous avons aussi connu un groupe qui s'appelle Salt. Ils ont un nouvel album qui s'appelle At The Fair. Let's go. Merci beaucoup. C'est quoi ton son du moment? Le nouveau mode organisé. Allez, ça va. Vous écoutez quoi? Tu vas rigoler, je regarde le canapé. Canapé? Je te crois pas. T'as percé. Ah bon? Mais incroyable. Putain, c'est fou, bah trop marrant. Salut. Bah franchement, c'est le meilleur son de l'été, bravo. C'est choquant. Mais c'est un truc de ouf. On va récupérer les sons de ceux qui voulaient bien être en caméra, ceux qui n'ont pas voulu être filmés. Et je vous fais une petite playlist Spotify, je vous la mets en barre d'infos et ça se régale. C'est la playlist des gens. La playlist des gens, je l'appelle comme ça. Ok, écoutez, moi je file faire le montage et lui il va faire quoi? Je vais chez le coiffeur. Monte-nous des cheveux avant. Et après il y aura plus rien. Et j'ai trop hâte, franchement. Bonjour monsieur. C'est quoi votre son du moment? Bonjour. Rockstar Lisa? Yeah, definitely. Bisous. Je les aime roses. Allez, mon coiffeur. Merci à tous. Il y a très peu d'activités que j'ai pas faites à Paris. C'est pas pour me jeter des fleurs, c'est pas parce que je suis mieux que tout le monde, c'est juste que je fais des vlogs d'août depuis 8 piges dans Paris. Donc les activités les plus farfelues, je les ai saignées. On en a fait des vlogs, haha. Mais là, on a trouvé une activité. Je savais même pas que ça existait. On va aller la tester avec les copains et je vais voir si elle peut rentrer dans mon guide de meilleurs de Paris. Il n'existe pas, mais j'aurais grave faire un guide de toutes les meilleures adresses à Paris, non? Bon, je fais les 150 autres projets que j'encours et après je fais un guide à Paris, ok? Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Donc, on va tester ensemble. Voilà, il y a le guide du routard, il y a aussi le guide de la Mafou. Ensemble, nous allons tester cette nouvelle activité. J'ai invité tous les potes, ils sont pas au courant de ce qu'on va faire. Et comme c'est une activité 2 en 1, on va arriver, tu vas croire que tu sais de quoi on parle. Alors que pas du tout, il y a un plot twist. Ha! Vous êtes allés surpris? Tu crois que t'as tout vu de Paris avec moi? Non! Ces boissons-là, on me les a envoyées. Frappatomé. Exceptionnel. J'ai un bouton, il veut que pas partir. Je paye mon loyer sur son front et je ne partirai pas. Tu vois, on va éteindre la caméra le 31 août. Qu'est-ce qui va disparaître? Toutes mes petites imperfections de mon visage parce que toute l'année j'ai pas de problème de peau et là d'un coup, il va falloir être intéressant. Ils veulent être sur le devant de la scène. J'ai donné rendez-vous à 16h30 à tout le monde parce que l'activité commence à 17h. Je commence à connaître mes potes, c'est un peu comme une colonie de vacances finalement. Quand t'es géo, tu te dis « Ok les enfants, rendez-vous à 9h pour l'activité » pour que le quart, il parte à 10h. Ben voilà, considérez mon groupe de potes comme une colonie de vacances de CPCE1. Bon, faut que moi aussi j'aille d'ailleurs. J'ai le temps de mettre que très peu de maquillage, faut que je choisisse bien. Bronzer, mascara, sourcils, lèvres. Ok. Voilà ma tenue. Est-ce que vous pensez que les gens ils savent que je porte des tongs parce que je suis habillée en Zoro en mode cool girl ou ils se disent juste c'est une meuf qui met des costumes avec des tongs parce que ça peut me faire briller? The Row, ok? Si vous pensez ça, n'oubliez pas. The Row. Eh ben écoutez, Paris est toujours aussi vide, mais toujours aussi beau. On arrive à l'endroit de l'activité, il est 16h30 pile et on va voir à quelle heure chacun arrive. L'activité se trouve derrière moi. Et là, je vois le couple, les âmes sœurs. Vraiment, tu sais, quand on parle d'âmes sœurs, c'est eux deux, Maxence et Charlotte. Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Moi, je suis belge, j'en perds. Ah oui, c'est les Belges dans le foquin. T'as de l'eau partout sur tes lunettes. À Bong? Ah ouais. On a été à un concert métal hier. Ah ouais. C'était bien? Voilà, bah moi c'est un de mes groupes préférés de tous les temps. Donc. Mais j'avais pas que t'écoutais du métal, Maxence? Si, il avait un groupe de métal, il déchirait son truc, et il avait ça une tenue catcheur et tout. Mais quoi? Ouais, ouais. Enfin, moi j'ai... c'est une légende. Mais tu t'es adouci entre temps. Je suis adouci, mais ça manque, en vrai ça manque. Bon. Derrière, il screamait. Hein. Ouais. C'est ça qu'on fait. Trop stylé. Bon. Ça va, mon petit canardo? Salut les garçons! Coucou! Salut! Ça va? Ça va bien? Il est revenu 2000. Bonjour! On n'a jamais le temps de se préparer psychologiquement à tes activités. J'adore! Bonjour! On est à ça d'un départ imminent. Mais qu'est-ce qui se passe, Léna? À chaque fois que je prononce le prénom du bus, je vous demande de me répondre en contrepartie. Coin, coin. Tu s'appelles Marcel. Quoi? Le bus s'appelle Marcel. Quoi? Le bus s'appelle Marcel. Quoi? Ça a résonné jusque là-bas. La dernière fois t'étais dans un bus, t'étais avec Billy Eilish. Et là t'es avec Marcel. Quoi, quoi? Bonjour.
Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. We are crossing the river for the first time. Alexandre en 1840. Laisser sa place à un capitaine maintenant. Et c'est ce sont des capitaines, car nous allons quitter la terre pour aller. 25, 4, 3, 2, 1, on est sur la scène. Je suis trop content, en vrai. Mais c'est ouf. Ouais. J'adore. Ça va vite, c'est incroyable. Because we are on a boat, and since we... Ça se voit, elle a été nettoyée. Hein. C'est un bus qui se transforme en bateau. Genre, tu vois, quand tu regardais Transformers quand t'étais petit, bah là, c'est vraiment le cas. Elles sont les roues. Mais genre là, il y a les roues, elles sont sous l'eau. Genre les poissons, ils voient des roues là. On va continuer tout droit, on va passer vers la Tour Eiffel. Il nous reste un t-shirt et... J'aime bien ce qu'il fait en vrai. C'est un bad boy. Mais c'est pas grave. Quoi. Ça y est, on retombe maintenant, littéralement, sur la terre. Une performance, bravo. On doit faire deux. Hey, on repart tranquillement sur les routes, on a des roues et c'est des routes. On repart donc sur les routes avec Marcel. Le saviez-vous, la Tour Eiffel est constituée de 20 000 ampoules qui scintillent. C'est de 1665 marches. C'était génial, tu sais que j'avais jamais fait de bus de touriste à Paris. Alors Marcus, t'as kiffé? C'était trop bien, moi j'aurais kiffé. Je rajoute ça dans mon guide de maire de Paris. C'est le seul de France, le seul bateau amphibien. Qu'est-ce qu'on fait? On mange des nuggets. On va manger des nuggets? Ah ouais. Je suis pas trop réseau, tout ça, Insta. Ma copine, elle aime beaucoup ce que tu fais. Et du coup, bah, elle regardait tout le temps. On est très loin. Elle regardait beaucoup le calendrier de l'Avent que tu as fait. Ce soir n'est pas le soir où je serai en retard pour les vlogs. Il est posté, il est prêt à l'heure. Le vlog est posté. Je vais aller voir ceux qui sont encore présents sur le pop-up, même si ça va pas tarder à fermer. Et puis ce soir, ça part en lune bleue. Ça veut dire qu'il y a deux pleines lunes dans le même mois. Et c'est la raison pour laquelle on fait le loup-garou ce soir. J'arrive. Oh, bonjour. Oh, tu l'as remarqué dans le festival ou pas? Ça va les gars? Hey. C'est les bleus. Ça fait 3 mois qu'on bosse sur cette pièce. La nouvelle pièce de l'hôtel Mafou, enfin ouverte. La cave! Moi, ma super, mon secret, c'était cette pièce et on peut courir dedans. Guys, ça fait combien de temps que vous n'avez pas couru? C'est bien mieux que le bus bateau. Ma tongue! Aïe! Ma tongue pour faire mon look de Zorro! C'est une Jacquemus? C'est toi! Léna? C'est une Jacquemus? Non, c'est Avayanas. Ah. Voilà la tongue. Je suis désolé. Incassable! Elle est réparée! Allez, on recontinue. Allez, Hello! Je suis venu que pour le jeu. Ce
Cette année, sur le pop-up, on a également le rooftop, chose qu'on n'avait pas l'année dernière. C'est ici qu'on fait toutes les activités dans la journée. On a plein d'activités qu'on fait avec des clients sur le toit tout au long de la journée. En bas, t'as la cour avec la boutique et le resto. Et ici, on a des activités. Et ce soir, on fait notre soirée. Vraiment, c'est une tradition avec les créateurs du jeu Asmodee, les créateurs du loup-garou. On fait une grosse soirée loup-garou. Et cette année, on le fait le soir de pleine lune. Je sais pas ce que ça va donner, mais... c'est notre soirée préférée, c'est la soirée qu'on attend tous les ans. Finition sur la ligne avec Big Flo et Oli. C'est le peintre qui a dessiné la Joconde. Le barbier, son pouvoir, donc pendant la journée, il va pouvoir zigouiller quelqu'un. Soit il zigouille, soit il fait une basket, au choix. Celui qui vient de se faire éliminer par vote a le droit de demander grâce au châtelain. T'es tellement châtelain, Joanne. T'es tellement châtelain. Merci, il a... Oh putain, je sais plus c'est quoi ça. Il a été obligé de souffler les réponses à mon père parce qu'il a oublié ce que c'était sa carte. Allez, Cowboy Carter. Tes voisins et voisines, loup-garou, réveillez-vous. Prenez connaissance l'un de l'autre. Le village se réveille. Mais vous, il a déjà deux voix contre lui. Mais je suis choqué. Mais au premier tour, mais je suis choqué. Mais vous avez aucune race, hein. Mais là, en gros, je suis sacrifié. Mais je suis choqué, hein. Le salvateur a protégé quelqu'un. Et il a visé juste pour cette... Non. Oh, salvateur, faut salvater. Il va salvater. Mais malheur à vous. Mais merci, salvateur. Est-ce que quelqu'un est mort? Non, du coup, personne n'est mort. Parce que j'ai un pouvoir qui est terrible. Oh, aïe, pequeño. J'ai désigné Marcus. Avec plein de choses. Donc t'es le corbeau? Mais oui. Je te fais un câlin quand même, ma vie. C'est bon. Bravo. Bravo. Il y a un mort. Non. Un wag. Je dis bien, il y a eu un mort. Aïe. Ah, oh non! Il m'a tué! Il m'a tué! J'ai entendu un! Il m'a tué! Mais là il est mort! Là il est mort! Mais la première nuit il s'était protégé! Et pourquoi il s'est pas sauvé la deuxième fois là? Mais parce que j'ai donné ma vie à quelqu'un d'autre! T'es sauvé ma vie pour ce deuxième tour! Vous voulez me tuer? Je sais pas, mais j'ai préféré te protéger! De là-haut, je prendrais toujours soin de toi! Merci! Je vais gagner cette partie pour toi! Je vais niquer tous les loups-garous pour toi! Tu es Joanne! C'est lui! Si j'entends. Il est mort. Il est mort. Bon débarras. Il est où? Ça déblaise, ça dégage. On va. J'étais loup-garou. Les loup-garous ne font que mourir. On laisse les loups gagner. Il y a les Moldus qui sont en train de gagner là. J'étais obligé de voter contre toi. Non. Tout le monde avait baissé le bras. Je m'en rappellerai. Mon vote, non mais mon vote, il servait plus à rien. Donc si je votais, si j'étais le seul à pas voter contre toi, tout le monde allait faire les loups-garous. Les paroles, les paroles, les paroles. Elle est loup-garou, cette équipe est son naze. Mais pourquoi on m'a mis dans une équipe de nuls? Pourquoi? Mais pourquoi on m'a mis dans une équipe de loup-garous de nuls? Julien, il est nul. Maxence, il est nul. Des loups-garous nuls. Vous êtes nuls. Il était début à cause du troisième mort. Tu m'as voté contre moi. Tu as voté. Il y a deux loups-garous qui ont voté contre le loup-garou. Tu étais grillé. Je saignais pour pas que vous votiez. Tu étais grillé. Mais plus jamais. Marcus, toi, moi, on mérite d'être loups ensemble. Les autres, mais qu'ils aient que se faire foutre. Mais c'est toi qui l'as buté. C'est toi. C'est elle qui a tué Marc. J'ai senti la chute. Oh my god. Mais une noix. J'ai senti, j'ai fait le bruit de noix. Ça va, Marcus? Oui, ça va. En fait, et je vous ai vu, après j'ai vu le ciel. Ça fait comme ça. T'es tombé avec toute la structure du hamac. Le fait que je sois tombé avec la structure, c'est dur. Alors, je sais pas si c'est la pleine lune, mais c'est le soir où mon micro nous a lâché. Il faut que ça arrive un moment dans les blocs d'août. On a quitté le rooftop, on était tous claqués, on voulait rentrer à la maison. Sauf que la sécurité du pop-up a fermé à clé les portes. Et nous, on tapait sur les vitres, mais eux, au loin, ils pensaient qu'on leur faisait coucou. Du coup, ils nous faisaient coucou. Et nous, on était en mode, non, pas coucou, c'est plus aidez-nous, sortez-nous de là. Donc, on a pris un petit peu de temps à sortir. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Enfin, je croyais, puisque j'allais juste me brosser les dents quand tout d'un coup, Solène me dit « Hé, tu fais quoi avec ma brosse à dents ?» Non mais, alors c'était ma brosse à dents déjà de 1.
c'est ma brosse à dents. Alors on s'est rendu compte que quand elle vient chez moi, elle utilise ma brosse à dents. Mais ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, elle a dit, c'est pas grave, je vais prendre la brosse à dents de qui? Bah de mon mec. Donc son chéri est là et ils sont tous d'accord pour se dire, on se partage la brosse à dents. Bah franchement, faut arrêter, hein. Je fais des bisous à mon chéri, je peux prendre sa brosse à dents. Pour moi, il y a aucun souci là-dessus. Pour moi, il y a beaucoup de soucis, j'étais choquée, outrée, je l'ai tabassée avec du céleri tellement je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Elle se brossait dents comme si de rien n'était, son copain est en mode, bah oui, évidemment. Donc est-ce que c'est moi la folle? Est-ce que c'est Solène la folle? Qui sont les fous dans cette histoire? Bon, là vraiment, Sandrine, c'est toi la folle. Bah là, je me suis dit 2h du matin, c'est vraiment la bonne heure pour faire un petit masque. Et moi, je me couche sur le canapé puisque je suis une vraie hôte qui laisse les amoureux dans mon lit. Allez, je vous dis à demain puisque les vlogs d'août c'est tous les jours. Bisous. Tchuss. Et si vous voulez continuer de vous amuser avec toute la team, tu peux te mater le petit vlog d'hier ou alors suivre tous les backstage des vlogs d'août sur mon nouveau compte Snapchat. Et les plus privilégiés d'entre vous sont sur le canal Instagram puisque c'est ici que tous les soirs je balance le vlog en avant-première. Voilà, tu sais tout, continue.